Bien-aimés dans le Seigneur, que grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Nous bénissons, Seigneur, qui fait grâce. Nous disons merci, qui rend possible, bien-aimés, pour nous retrouver nous encore sous l'igna soya. Seigneur, permette-nous de traverser l'autre semaine. Chaque jour qui passe, nous ne sommes pas conscients, nous pas ouais ça. Mais chaque jour, son nouveau jour. Chaque jour, son jour de grâce. Bon Dieu, épargnez-nous de bagailles nous pas connaît. Si tu m'as réfléchi à l'air pour valer pas coup, moins fait monter, descendre, courir machine, fatigue. Et puis m'a réalisé grâce, bon Dieu, fait pour le faire nous sortir, nous rentrer. Et même l'on a dormi là, caillou, le fait qu'on dorme, lever, tout ça aussi grâce. C'est ça que fait nous-mêmes. Moun pa krisyo, nou pa jom rate okasyon pou nou dil mersi. Nou dil mersi pou sa nou konen e pou sa nou pa konen li fe. E donk, bien eme, nou toujou kontan pou nou nan prizan senyoya. Pou nou yon souteni lot, pou nou yon ankoraje lot. E senyoya fe nou gras pou nou ansam. Mwen salye tout bien eme ki branche, an patikulye sa yo ki branche de loin. Sa yo ki an vakans, menm si ou pa la ave nou fizikman. Mais dans le même esprit, nous en présence maintenant. Ensemble, nous devons trôner pour nous répandre que nous devons. Bien-aimé, merci pour prière, yon se mari, merci. Et mandez-nous, continuez à faire ça. Nous connaissons ces mouns qui remettent, prennent genoux, nous intercéder. Bien-aimé, intercéder. Bagayou lourd, bagayou lourd, bagayou difficile. Pas oublier Haïti dans prière, yon. Pas oublier lever, surtout les frères, les sœurs de la foi. Et pour me dire en réalité bien-aimé par rapport au ministère en Haïti, bagaille très difficile, nous avons gros besoin, gros besoin. On nous intercéder pour eux, demander bon Dieu fait grâce. Nous le nous fin penser c'est fait toute bagaille, rien pas marché. Nous connaissons bon Dieu qui a dit un mot dans Haïti. Personne encore pas rien au café pour payer là. Moi-même, m'a regardé Jean pays ça y a là, c'est celle l'Éternel des armées qui a dit un bagage, qui a fait un bagage. Donc bien-aimés, surtout pour les frères et sœurs dans la foi, on nous continuer, j'en ai toujours fait ça, on continue qu'embé dans la prière, pas gain en rien mon Dieu pas qu'a fait, pas gain rien qui est impossible à Seigneur nous. M'a invité nous ouvrir Bible nous avec moi dans livre Apocalypse. Ou bien Révélation, n'appli chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Apocalypse, chapitre 2, verset 8 à 11. M'appli pour une version Louis II. Sous gain Bible, m'appelle Vito, suivez avec moi. Sous pas gain Bible, c'est pas grave. Respectez parole là dans le cœur pendant ma fait lecture ça. Apocalypse, chapitre 2, verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur et peuple bon Dieu à captant dédié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, assoya, moi gagne sous que moi pour me partager avec vous. Parole nous joigne dans passage ça. C'est un passage qui gagne rapport, bien-aimé, à la souffrance. C'est un passage d'avertissement. Jean ou qu'on est ni. Lettre ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui t'est adressé. Il y a 7 églises, gagné 7 lettres pour 7 églises. Et lettre que le Seigneur t'est adressé à l'église de Smyrne, ses 2e lettre,
pour dans cette l'église sa yo. Et l'on appelait l'être ça, gen un pile point d'enseignement, gen un pile point de réconfort et d'encouragement pour moi-même avec vous aujourd'hui. Si gen un bagage, ma un pile monde d'accord, et c'est vrai, mes bien-aimés, c'est que l'église de plus en plus gen tendance éloignée de sa souffrance représentée, et en particulier l'église à qu'il est, l'église n'entend aujourd'hui. Yo censé presque perdu de vue que Christ, bon Dieu, glorifié dans souffrance tout. M'pensez, c'est un bagage qui apparaît ton petit genre étrange pour m'dab dit nous, bon Dieu, joigne gloire dans souffrance. Ou ka dit pasteur, mais son bagage qui paraît, qui sonnait un genre bizarre dans oreille au monde, bon Dieu, joigne gloire dans souffrance. C'est pas dans n'importe qui souffrance, bon Dieu, jeune gloire. Bon Dieu, jeune gloire dans souffrance, yon serviteur, yon servante, kap servil et qui rete fidèle face à toute bagaille qui rive dans la vie. C'est dans qualité souffrance ça, bon Dieu, jeune gloire. C'est pas parce que bon Dieu remet souffrance pour petit li. C'est pas parce que bon Dieu prend plaisir pour le web petit li kap souffri. Mais c'est parce que, mes bien-aimés, dans le Seigneur, des fois souffrance là, li kon inévitable. Des fois souffrance là li gon valeur de rédemption. Des fois souffrance là c'est route petit bon Dieu obligé passer pour arriver dans niveau que bon Dieu voulait arriver dans marche li. Et bien-aimé, on pense pas comprendre ça puisque c'est monde qui versé dans la parole de Dieu. Souffrance dans la vie chrétienne, li c'est yon moyen bon Dieu utiliser pour le ramener dans un niveau de maturité, peut-être les patab jambes gagnent s'il pas connaît souffrance. Gagnent yon feu, gon du feu traversé, gagnent kafou ou traversé dans marche en tant que chrétien. Moi dou li en vérité ou pas même moun nan encore. Ou prend de galon, c'est un coup yon soldat calé dans la guerre. Gagnent yon bataille li gagné, li pas faibli dans bataille lan. Eh bien, l'œil sorti dans la bataille ça pour l'aller camper devant commandant chef de l'armée, lui recevoir épaulette. Parce que pour le camper goumen sans le pas bail vague, sans le pas sauver, sans le pas dans marron, sans le pas jeter les armes, pour le camper bataille et pour le sorti dans combat ça, eh bien, il n'est pas sorti comme ça, lui recevoir épaulette, lui recevoir grade. Eh bien, ces mêmes gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, souffrance dans vie chrétienne, li gen yon vertu pour amener moun sa à un niveau de maturité. Peut-être sans souffrance, nan, li patab jam rive la dan. Ou di pasteur, est-ce que ça veut dire tout moun nou dwe remen souffrance? Souffrance pas douce. Souffrance vin sous plusieurs formes. Souffrance gagne plusieurs déclinaisons. Pas gen moun ki remen souffrance. Mais le m'appelé la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, des fois c'est à travers souffrance yo. Bon Dieu, joigne gloire. Bon Dieu, remet ouais, le petit fille, petit garçon, la fait face à des situations difficiles. Mais pour le rester fidèle dans la foi, pour le faire parole, ça nous saute liant, tourner parole pâle. Jusqu'à la mort, Seigneur, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort. Il y a une maladie ou présentée qui présentait devant. Maladie, un diagnostic fait. Docteur, bye tout. Tout ça ou te ka bay comme diagnostic pa yo, ou même l'autant des diagnostics là, au lieu t'es tout apati, au lieu t'a commencé perdu tout bon amour, et puis c'est le ça ou recueilli ou dit Seigneur, m'sais a fait part jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Maintenant qui qualité souffrance, bon Dieu glorifié, non bon Dieu glorifié. Il pas prend plaisir dans souffrance dans lui-même, mais Jean ou même en tant que petit loup fait face, ça fait bon Dieu plaisir, bon Dieu joue une gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ange Jean et l'apôtre Jean qui recevoit l'être de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit lui, écrit à l'ange de l'église maintenant, l'ange de l'église Jean ou qu'on est lui, c'est moun ça bon Dieu placé à la tête du ministère. C'est moun sa qui gen responsabilité devant bon Dieu
pour mener un homme que bon Dieu confie à bon Dieu. C'est dans l'église nous, HMBC, on l'aide. Par exemple, Christ a écrit à Bergéan, révérend Henri-Claude Moïse, l'ange de l'église de HMBC. Eh bien, Jésus a dit, écris Jean, écris Samuel Zoulan, écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. N'importe où on appelle la parole de Dieu, où est texte en fait référence à premier et dernier, ou bien alpha et oméga, sont références directes à Dieu lui-même. C'est le nom de Dieu, c'est une référence à Dieu. Le nali dans Isaïe 44, verset 6, nous est, prophète l'a parlé, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Donc, pas oublier expression ça. Premier et dernier, ça fait référence directement à Dieu. Et ça qui est intéressant, bien aimé, dans le livre Apocalypse, là, à côté de nous, l'île, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Mais Jésus-Christ représente tête-lit comme le premier et le dernier. Ça veut dire, si on monte à chercher preuve pour qu'on ait si effectivement Jésus-Christ c'est Dieu, eh bien, mettons preuve en plus. Le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est Christ qui a parlé avec autorité en tant que Dieu, parce que c'est ça lui-même. Et puis, verset 9, là, il continue pour le dire, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » On faut y camper là, bien-aimé. Le mapli, passage ça, m'gagne plusieurs motifs d'encouragement. M'gagne bagaille qui motive. Jean-Jésus a parlé en, et Jésus a dit, mais ça le connaît. Premier bagaille, moi, Jésus dit, il connaît, je connais ta tribulation. Moi, connais, j'en wap souffri. M'ta remé un monde tant de paroles, ça qui sautit dans bouche mette là. Moi, connais, j'en wap souffri. Moi connais gens persécutés. Moi connais gens moun pas comprend nous. Moi connais gens famille pas fait cadeau ou moi connais. Si c'est un monde qui t'a dit parole ça, déjà ça tape un encouragement pour moun nan, ou t'a gon monde qui sympathisé avec ou. Un monde qui ka senti kotoyé. Mais je veux attirer attention sur le fait que c'est pas n'importe monde qui a dit li connaît souffrance ou. Moi connais gens qui souffrent. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui a parlé avec vous, mon frère, ma soeur. Moi connais soupir inexprimable ou yo. Moi connais glo dans yo qui pas ka séché a. Moi connais so pas ka di moun nan. Moi connais parce que pas gen secret pour moi. Ça c'est premier parole encouragement, le m'appli passage ça. Moi même personnellement, moi joine la donne. Que Christ a dit, m'li connaît souffrance, moi. C'est ça le t'a dit, l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation. Deuxième parole d'encouragement, Christ a dit, l'église, en. Li fin dit, moi connais, j'en wap souffri. Et puis, li dit, moi connais tout, j'en ou pauvre. Ou dit, mais pasteur, ça a son parole d'encouragement. Mais oui, sou bien comprendre, ni wap comprendre, ça fait son parole d'encouragement. La pauvreté que Christ a parlé là, c'est pauvreté qui est liée à l'humilité. C'est même pauvreté ça, le Christ a parlé dans le sermon sur la montagne. Le lit est dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux Mounsa, bénédiction pour Mounsa, qui pas gagné de tête li yon trois autres opinions. Bénédiction pour Mounsa qui pas frappé l'estomac li avec orgueil. Bénédiction pour Mounsa qui humble. Eh bien, c'est de pauvreté, ça, Jésus a fait référence. Donc, Jésus a dit, l'église Smyrne, moi connais gens ou pauvres, moi connais gens ou humbles, moi connais gens ou descendent nous. Ça fait, c'est comme ça. Pour qui ça, pasteur, c'est comme ça. C'est comme ça pour nous comprendre pauvreté, hein? Eh bien, il suffit de regarder qui ça le dit par la suite.
Moi connais pauvreté ou bien que tu sois riche. Ça veut dire son pauvreté qui est en réalité synonyme de richesse. Les hommes nous dans soumission à bon Dieu. Les hommes nous pas dans frapper l'estomac ou dans l'orgueil. Ou qu'à apparaître pauvre spirituellement. Mais on sont monde qui riche parce qu'on a richesse qui liée à soumission à Christ. C'est exactement ça Christ a dit l'église Smyrne. Et le monde nous gain attitude ça d'humilité et de soumission. Christ considère ton monde riche. Eh bien, Christ continue pour parler avec l'église là. Et il dit lui, moi connais tout qui qualité calomnie ou a subi de la part de faux frères yo. Moi connais qui qualité parole malhonnête y a prononcé sous ou. Moi connais qui qualité virade y a taillé met sous ou. Moi connais qui ça y a dit faux frère. Alors dans texte là ou après Jésus fait référence à moun qui relait tête yo juif qui dit yo juif mais en réalité qui pas juif et Christ relait yo de synagogue de Satan. On est la parole de Dieu enseigné nous mes bien-aimés dans le Seigneur nous même moun pas christio qu'on nous c'est temple Saint-Esprit. Mais dans ka moun sa yo faux frère sa yo faux sœur sa yo Christ relait yo synagogue Satan temple Satan. Yo gen apparence moun k'ap servi bon Dieu. Yo gen apparence moun ki konnen bon Dieu. Mais c'est seulement apparence nan yo genyen. En réalité, c'est moun Satan utilisé pour persécuter les serviteurs, les servantes bon Dieu. Et Christ a dit l'église là. Moi konnen sa yo k'ap calomnie yo. Sa yo k'ap di mauvais paroles. M'ta renmen gade comment yo présenté li nan version créole la bien-aimé. Verset 9 lan yo dit moi konnen jan wap soufri. Moi konnen jan moun ki soi-disant juif yo a parlé ou mal. Moi konnen jan moun ki soi-disant chrétien yo, soi-disant frère et sœur dans l'église an a parlé ou mal. Bien-aimé, gen souffrance, le si on moun deyò ki inflige joli ou prête pour quitter ça. Ou prête pour tourner pas Jean, mais souffrance en lipi dur. Le se yon moun kay, le se yon moun ki nan sen ou, le se yon moun ou te kon raconte zafè ou, se moun sa même ki utilise le contre ou. Et le Seigneur Jésus a dit l'église li, mwen konnen jan moun ki soi-disant frè se sa yo, pa lo mal. Mwen konnen yo di se juif yo ye. Mais yo pas juif, son paquet bon moun Satan yo ye. Et puis dans verset 10 non mais ça me tarin mon tande bien. Verset 10 on dit le m'appeler dans version créole là, ou pas besoin peur pour so pral souffrir encore. Ou pas besoin peur pour so pral souffrir encore. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ou pas besoin peur pour so pral souffrir encore. Connais que Christ connaît. Christ connaît son subi déjà. Christ connaît kotoyé. Christ connaît son enduré. Des fois pas même qu'à partager la personne. Ou pas besoin peur son pral subi encore. Et puis le malgré des puis ben verset on dit mes bien-aimés dans le Seigneur, sois fidèle. Sois fidèle. Peu importe ça qui vini sur route, restez fidèle. Peu importe maladie, restez fidèle. Peu importe mépris, trahison, mal parlant, sois fidèle. Et pas seulement fidèle, non. Texte a ajouté fidèle jusqu'à la mort. L'homme fin a comprendre. M'a pensé entrer en profondeur. M'a compte sous réaliser, non, bien aimé. Christ dit m'connais. Ou pas besoin de fatigue, ou pas besoin de peur, non, m'connais. C'est comme si m'da dit. Plume Christ nan men la pran note. Pas grand rien qui échappé à contrôle, pas grand rien qui échappé à regard, pas grand rien qui échappé à connaissance li. La pran note. Et puis Libral dit non seulement me connaît mais ça m'a mando. Rete fidèle jusqu'à la mort. M'envie di yon moun aswaya.
quel que soit ça, ou fait face, sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à ton maître. Sois fidèle dans la maladie. Sois fidèle dans le mépris. Sois fidèle dans l'humiliation. Sois fidèle dans la déception. Sois fidèle à ton maître. Pour qui ça, pasteur? Parce que maître la dit, li connaît. Li wè souffrance là. Li connaît, li wè. Li wè. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ces qualités souffrance ça qui glorifie. Ces qualités souffrance ça qui pourra le faire tout li lever. Ces qualités souffrance ça qui pourra le faire li mettre au côté pas de penser au t'arriver. Sois fidèle, sois fidèle. Pas abandonner, pas baisser les bras, pas décourager. Pas gagner un soupir ou fait que Christ pas connaît. Sois fidèle. Il y ajoutait, je te donnerai la couronne de vie. Lorsqu'il dit ça, ou qu'il y a une tendance, ou elle seulement dans le sens, après tout bagay va finir, le temps va accomplir, moun pa Christian n'a gagné la vie éternelle. Oui, c'est vrai, c'est une façon ou ka wèl ou ka interprété. Mais m'gen impression que Christ a dit un bagay qui encore plus large. Je te donnerai la couronne de vie. Couronne de vie Christ a balan, li pas seulement pour la fin des temps. Li pas seulement pour le temps accompli. Couronne de vie hein, ou ka expérimenté le coulier à même. Ou ka expérimenter couronne de vie en kounya même. Ça fait me comprendre ni comme ça bien-aimé. C'est parce que le Christ rentré kayon moun, li rentré avec la vie. Li rentré avec la vie, soit li j'en dis soit pour c'est exactement ça texte dit. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie c'est pas un bagage pour tant qu'a vini après tant ça fin passé. La vie c'est pour jodiant. La vie c'est pour moun qui rete fidèle, qui prêt pour oublier tête yo, rete fidèle jusqu'à la mort, c'est ça le vle dit. Moun qui choisit mourir à lui-même. Gon baga ou te ka fè pour éviter souffrance là. Gon baga ou te ka fè pour correspondre à moun qui soumet ou à souffrance là. Mais ou mouri kor, ou tant qu'on brebis a mené l'abattoir sans défense. Christ au moins ouais, ou pas besoin fatigue au moins ouais. Je te donnerai la couronne de vie. Seulement, sois fidèle. Mourir à propre tête pauvre. Pas chercher revanche. Pas agir œil pour œil, dent pour dent. Hier, me détendez, révérend, qui t'a parlé de la loi de Moïse. Nous-mêmes, moun pa krisyo, li rele nou à on l'autre bagay. Li di nou à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gon moun kap agir pour nous bien-aimés. Li di nou remè moun qui vle fè nou mal. Fidèle jusqu'à la mort, c'est ça le vle dit. Soumettre à sa maître la mandé. Descendre, n'est pas facile. Si m'dadou li facile, c'est péché m'fait. N'est pas facile. Mais pas oublier, maître l'en dit, moins ouais, moins connaît. Cependant, mais ça m'a mandé, fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. M'envie dit au monde, asroya. Soit la donne nan ou doué passer la donne pour entrer dans couronne de vie hein, pour expérimenter gloire bon Dieu ou doué passer côtoyer embrasser le comme s'il était douce fait comme si coupe souffrance soit boyant son coupe qui était bon dans bouchou fait comme s'il est bon pour vous et puis contempler gloire bon Dieu contempler Jean bon Dieu a fait provision pendant ou même ou dans souffrance là. Pendant à traverser, contempler gloire bon Dieu. Parce que m'douli en vérité, la parole de Dieu pas jamais retourné à lui-même, sans le pas fait effet, sans le pas accompli volonté maintenant. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Couronne de vie, c'est pour aujourd'hui. Couronne de vie, c'est pour moi aujourd'hui. Au contraire, en couronne de vie, et bien-aimé, c'est la plénitude de la vie. Couronne, c'est ça qui achève yon bagay. L'on recevoir couronne, c'est plénitude, c'est signe de plénitude, c'est signe
d'achèvement. Couronne, c'est ça, yo bay moun qui nan course. Couronne, c'est ça, yo bay moun qui t'a lutté, qui gagné. Couronne, c'est prix final, yon bagay ou recevoir après yon lutte. Eh bien, couronne de vie, c'est plénitude de la vie. Et plénitude de la vie, hein, encore une fois, li pas seulement pour temps à venir, li pour temps jodi en tout. Jacques 1er verset 12, pour moi fini, bien-aimé, mais ça le dit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Ouais, non, Jacques 1er verset 12, clairement, il n'y pas fait référence à en tant qu'a vini après et tant sous terre sa fin accompli. Ouais, il n'y pas fait référence à au temps messianique, il fait référence à jodi, hein. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation présent, supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Soit là dans un moment d'épreuve, ou un moment d'éprouvement. Et je n'ai pas compris. Des fois, on passe, ou pas comprendre ce qui a passé, on a découragé. Faut qu'on comprenne l'on en zone de turbulence. Faut qu'on comprenne l'on en zone d'épreuve. Pas quitter épreuve là, faut perdre bon sens spirituel ou discernement. Là où nous zone d'épreuve. Et texte dit moins, après avoir été éprouvé, la personne qui tiendra ferme, qui supportera patiemment, il recevra la couronne de vie. Oh, le pour te gagner dimanche, faut que te gagner vendredi. Le pour le Seigneur t'est ressuscité dans dimanche, il t'est obligé de passer par vendredi. Vendredi, c'est l'amertume. Vendredi, c'est l'épreuve. Vendredi, c'est goûter souffrance amère. Mais la gloire t'attend dans dimanche. Le peuple Israël t'est rentré dans terre promise, il t'est obligé de passer à travers le désert. Désert là, c'est pas de bagaille facile. Yo perdu dans désert là. Yo perdu chemin. Yo fait face à toutes sortes d'épreuves. Mais pour yo te rentrer côté bon Dieu te promet yo te doué passer par là. Après avoir été éprouvé, ils ont reçu la couronne de vie. Yo te rentré dans pays côté lait avec miel. Couléa, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Le bon Dieu levé au monde, le bon Dieu glorifié, manifesté gloire dans au monde. Eh bien, m'douli certainement, gloire bon Dieu a manifesté, l'a demeuré, la vie de Jésus a rayonné dans mon nom. Mais ça m'te vle d'oua soya, souffrant souvent, li vini pour glorifier bon Dieu, à en condition. Souffrance n'en capable glorifier bon Dieu, à yon condition. Si, ou rete fidèle dans souffrance là, ou rete fidèle à mettre là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu recevras, mon frère, ma sœur, la couronne de vie. Bon Dieu connaît, pas gain en rien qui échappe à lui-même. Soyez encouragé par ses paroles. Sois fidèle à ton maître et la pleuvez au temps convenable. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse.